Selon la belle formule de Léonard de Vinci, la peinture est une poésie qui se voit mais ne s'écoute pas. Tentons néanmoins de la faire entendre. Art ASMR, une série de balades visuelles et sonores d'une œuvre à l'autre. Tant d'histoires d'amour traversent les époques, deviennent immortelles grâce à la poésie ou la peinture, idylliques, parfois dramatiques. Certaines sont devenues de véritables mythes que chaque artiste revisite à sa manière. Jetons un œil très indiscret sur un couple divin qu'un maître de la Renaissance vénitienne semble avoir surpris en plein rendez-vous champêtre très intime. Comme souvent dans les tableaux anciens, quelques objets symboliques permettent d'identifier les personnages mythologiques. Ici, on remarque le casque et l'épée de Mars, l'impétueux dieu de la guerre. La jeune femme, figure centrale de la composition, appartient assurément à cet univers mythologique. Sa nudité ne pourrait se concevoir sans le prétexte de la fable antique. Son identité nous est dévoilée par ce petit amour que vous voyez volter en haut à droite, muni de son arc et son carquois. Il s'agit de Cupidon, fils de Mars et Vénus, qui accompagne très souvent sa mère, la déesse de la beauté et de l'amour. La victoire du désir est manifeste, bien que la déesse soit représentée sans les détails qui la caractérisent d'ordinaire. Ni bijoux, perles, rubans, ni coiffures sophistiquées témoignant de sa légendaire beauté. Dénuée de tout artifice, Vénus demeure le symbole de la séduction et du plaisir. Au cours de sa carrière, le peintre Titien représente Vénus à de nombreuses reprises. Face à son miroir, allongé sur un lit, ou retenant Adonis, son jeune amant, partant pour la chasse. Mais ce tableau, peint vers 1550, est le seul exemple dans l'œuvre de l'artiste vénitien montrant la déesse aux côtés de Mars. Le thème du baiser échangé et plein de désir est par ailleurs un choix audacieux qui rend l'œuvre tout à fait extraordinaire. Titien ose une sensualité franche, qui contraste avec de nombreuses compositions mythologiques de son temps, qu'il s'agisse de représentations amoureuses moins directes ou de pures allégories politiques. Les artistes de la Renaissance ont à leur disposition d'inépuisables sources antiques, racontant chacune à leur manière les fables païennes. Quelles sont celles qui ont inspiré à Titien cette scène intime ? Il n'illustre pas le fameux récit d'Ovide rapportant comment Vulcain, l'époux difforme de Vénus, surprend puis capture la déesse et son bel amant. Ici, l'harmonie règne et rappelle peut-être d'autres versions, plus anciennes, qui décrivent le couple comme des époux légitimes. Le poète grec Hésiode leur attribue même des enfants, dont l'un se nomme Harmonie. Mais est-ce vraiment l'unité et la paix conjugale que Titien nous dévoile ici? À la douceur, des teintes ocres et rosées, des courbes subtilement mêlées, répondent d'impertinentes percées de lumière et de suggestives intrications des formes. L'impression générale comme l'observation des détails montrent combien Titien soigne ses effets afin de réaliser un tableau dédié à la volupté.
je vous propose de guider votre regard au fil des ingéniosités picturales et astuces de la composition de ce tableau licencieux. Commençons par suivre la belle courbe formée par les bras des amants, témoin d'un enlacement mutuel. On découvre la main aux doigts fins et délicats de Vénus posée sur la chevelure de Mars. D'un geste gracieux, mais tout à fait assuré, la belle attire les lèvres de son amant vers les siennes. Le bras rond et blanc de la déesse est prolongé par celui de Mars, en partie recouvert d'un habit d'un rose charnel et laissant apercevoir les muscles puissants du guerrier. Ainsi se dessine un bel arc de cercle au creux duquel semblent lover les amants. La ligne se conclut par la main du dieu posée au sol. On perçoit mal ses doigts, à peine visibles. On ne peut pas dire qu'ils soient masqués par le voile transparent qui jonche le sol. Ils sont repliés face au corps de Vénus, suggérant une caresse tout à fait impudique. En s'inspirant du mythe, le peintre raconte moins l'histoire transmise par les poètes qu'il ne met en image le plaisir. Et la touche souple du pinceau dont les traces produisent des effets de flou, de moelleux, parfaitement maîtrisés par Titien, nourrit cette sensualité. Mais la géométrie, valeur suprême de la Renaissance, n'est pas ignorée. Observons comment ce tableau est en effet traversé par deux grandes diagonales, elles aussi au service des motifs de l'amour. L'une est organisée autour de la cuisse de Vénus, dont la ligne est prolongée par Cupidon, incliné dans le même axe, et encadrée de part et d'autre par les armes de l'amour et de la guerre. Titien se souvient peut-être des vers du poète latin Stace. Le cruel et furieux Mars y déclare à l'irrésistible Vénus. Ô tendre amie, mon doux repos après les fatigues de la guerre, ma consolation dans mes peines, source de mes plaisirs. Seul entre les dieux et les mortels, tu peux impunément te présenter au devant de mes traits, arrêter mes féroces coursiers frémissant au milieu du carnage et faire tomber de mes mains le glaive dont je suis armée. À travers ces mots comme les images, peut-on douter de la toute-puissance de la séduisante Vénus ? L'autre diagonale lui est d'ailleurs entièrement consacrée puisqu'elle est subtilement construite par son grand corps déployé. Une ligne souple. Depuis la main, l'intérieur du bras, la poitrine, la jambe repliée jusqu'au pied incliné reposant à terre, accompagne notre regard et nous permet d'explorer la nudité de la déesse exposée d'un bout à l'autre de la toile. La sensualité semble guider le pinceau du maître. Pourtant, à la croisée des deux tracés imaginaires, la révélation suprême n'a pas lieu. La chair pleine et lisse de la jambe fait écran, interdisant aux spectateurs de voir le sexe de Vénus. Alors même que chaque détail lui rappelle ce qu'il voudrait contempler. Le nombril à demi révélé, une lumière rosée que l'on devine derrière les chevilles, la main froissant un tissu au pli suggestif. Le peintre construit une constellation d'indices érotiques, mais se joue des attentes du spectateur. Il lui offre, à travers ce jeu, le plaisir de contempler une peinture
piquant l'esprit et enchantant les sens. C'est encore le cas avec l'étrange position des amants. Vénus de face, retournée vers Mars à peine visible derrière elle. Choix de composition qui constitue une belle astuce, permettant à la fois de représenter sans détour l'échange d'un voluptueux baiser bouche entrouverte et d'offrir au regard la contemplation d'un corps féminin érotisé, poitrine baignée de lumière et joue rosie par le plaisir. Titien a souvent représenté des scènes mythologiques choisies comme autant d'occasions de peindre des figures féminines plus ou moins dévêtues. Europe enlevée par un taureau, Danaé sous une pluie d'or. Sans nul doute, la présence de la déesse de l'amour et de la beauté associée au thème de l'étreinte charnelle accroît plus encore la dimension érotique du tableau. Mais cela témoigne peut-être également des sources du peintre, du contexte culturel, des cours des grands princes italiens, souvent mécènes des artistes. Depuis le XVe siècle, les humanistes de la Renaissance, relisant et commentant le philosophe Platon, rappellent qu'il existe deux Vénus complémentaires. L'une est terrestre, associée à la concupiscence et à la jouissance. L'autre est céleste, véritable force génératrice. Certaines traditions font d'elle, ainsi que d'Eros, des divinités primitives issues du chaos. L'amour et le désir deviennent alors les forces qui créent le monde. Cet érotisme un peu mystique n'est pas étranger à Titien. Après tout, le plaisir sensuel des lignes et des couleurs est au cœur de la peinture du maître. Vraie force motrice de sa création, source de son génie. Vénus n'est alors plus seulement une séductrice à la beauté provocante, mais devient une véritable muse, métaphore de l'inspiration, ce souffle mystérieux.